Bonjour Jacques Godin. Bonjour Réa. Merci beaucoup de m'avoir accepté pour cette petite interview. Nous sommes à Paris aujourd'hui, 20 juin 2024, pour le marché de la poésie. Je suis dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous dire qui est Jacques Godin? Ah, vaste question, vaste programme, disait le général de Gaulle. Alors, qui est Jacques Godin? Je suis peintre, écrivain, j'ai été jadis documentariste pour la télévision, et je suis graphiste aussi, parce que peintre aujourd'hui, j'ai plutôt arrêté la peinture au sens propre, et je suis plutôt dans le dessin et le graphisme et l'illustration de textes, où je fais des couvertures, des choses comme ça. Mais je suis essentiellement écrivain, et je me définis par un verbe valise qui est peindre, écrire. Donc tout attaché, hein. Voilà qui je suis. J'ai près de 70 ans bientôt, l'année prochaine. Je suis dans l'atelier où nous sommes, là à Paris, dans le 20e, depuis une quinzaine d'années. Et voilà, j'ai publié 40 livres à peu près, j'en ai illustré sans doute plus. Je dirige une collection aux éditions Douro qui s'appelle La Bleue Turquin, qui nous éditons des romans, des nouvelles et des pièces de théâtre essentiellement, du moins pour ma part, dans La Bleue Turquin. La Bleue Turquin, ça vient d'un vers d'Arthur Rimbaud qui parle de la chambre Bleue Turquin. Voilà. Au départ, c'était une collection de textes érotiques, et puis qui était chez un autre éditeur, hein, Z4, chez Daniel Ziv. Et puis ensuite, j'ai changé. Cet éditeur ne voulait plus trop éditer des textes érotiques, ou il voulait même arrêter d'éditer, tout simplement. Donc, il m'a présenté à Antonio Cardoso, qui est le patron des éditions Douro. Et je suis maintenant donc à la tête de cette collection, et nous éditons un livre par mois, ce qui est pas mal. Et de plus en plus de gens qui ne trouvent plus d'éditeurs. Il y a des gens qui étaient chez Gallimard, au Mercure de France, un peu partout, et chez POL, et qui viennent me voir parce que les éditeurs ne veulent pas de leurs manuscrits. Voilà en somme le contour du personnage Jacques Godin. Jacques Godin, c'est un pseudonyme, hein, ça vient d'une expression latine, in cauda venenum, dans la queue le venin. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé la peinture également, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 2000, je ne faisais que de la peinture érotique. J'ai toujours commencé par l'érotisme, en gros, l'édition érotique, la peinture érotique. Et donc, j'avais pris comme pseudonyme Coda, la queue, avec sans doute une prétention gigantesque. Hein, et là aussi, mon éventail s'est élargi. Et je peins essentiellement aujourd'hui, du moins je peignais, parce que bon, je ne vais pas mettre le verbe à l'imparfait non plus, parce que je continue la peinture quand même, mais des portraits que tu as pu voir ici dans l'atelier. Je fais aussi pas mal de bestiaires, un peu comme les peintres de la préhistoire, et qui ne faisait pas de portrait par ailleurs. Il n'y a pas d'image de l'homme dans la peinture de la préhistoire. Il y a juste ce personnage qu'on appelle Itifali, qui est dans le puits de Lascaux. Là, c'est à peu près la seule représentation humaine qu'on ait, sinon ce sont essentiellement des animaux. Il y a des mains aussi, il y a des mains qui sont posées sur des parois. Mais donc, je ne vais pas dire que j'ai repris la tradition du bestiaire de Lascaux ou d'autres grottes de la préhistoire, mais j'aime à le dire quand même, je m'attache à cette ligne, cette espèce de ligne, ouais, de trait d'union entre des peintres qui sont quasiment aussi habiles que je ne le suis pas, et voilà. Comment tu as commencé peinture? Et la peinture précède, comment on dit, la poésie, ou ils étaient ensemble? C'est la même question quand tu as commencé à écrire. Ah. Alors, je dessinais beaucoup enfant. Non pas pendant les cours, parce que j'étais un bon élève et j'adorais aller à l'école. Hein, mais je dessinais chez moi, un peu partout.
Comment j'ai commencé? Je ne sais pas, à vrai dire. J'ai commencé, au début, moi, je voulais faire du cinéma. J'ai fait une école de cinéma. Ensuite, je suis passé donc au documentaire pour la télévision. J'ai jamais fait de cinéma. Bon, déjà, je suis d'un milieu qui n'avait pas de réseau. Je suis d'un milieu populaire, donc je connaissais personne dans le milieu du cinéma. Parce que le cinéma est un milieu assez fermé, à l'époque très bourgeois. Ça n'a pas beaucoup changé. Et ça s'est peut-être un peu plus ouvert. Et donc j'ai eu la chance de commencer par faire des stages à la Société française de production, la SFP, à la télévision, au but de Chaumont. Endroit magique qui a été rasé. Je sais pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je crois qu'il y a des immeubles d'habitation. Et après, j'ai travaillé longtemps là. J'étais pas payé, c'était difficile. J'ai travaillé près d'un an. Je suis rentré comme assistant également au début et j'ai fait des documentaires pour la télévision. Alors bon, j'avais déjà ce souci de l'image. Et puis, comme je te le disais quand tu es arrivé, j'ai travaillé 10 ans pour la télévision et j'en ai eu assez du travail collectif, c'est difficile. Bon, donc j'avais un vieux rêve, c'était d'écrire. Et j'ai entrepris l'écriture d'un roman qui s'intitule Comme il est dit, qui est un roman assez curieux, l'action se déroule dans le ventre d'une femme enceinte, d'une parturiente. Il y a deux fœtus, hein, jumeaux, et ils entreprennent pardon, ils discutent entre eux et ils se disent non, on va pas sortir par la voie naturelle, on va remonter dans le corps de maman et on va sortir par l'oreille. Un peu, il y a ça dans Rabelais, hein, il y a ça l'accouchement par l'oreille. Et pendant ce chemin, c'est un peu Dante et Virgile, hein, avec qui sont non pas dans l'enfer, mais bon, le ventre d'une femme. Et donc, il cousent quand même la voie naturelle pour ne pas avoir de tentation, ou alors d'être aspiré par le dehors, et ils remontent jusqu'à l'oreille de la parturiente, et discutent de philosophie, de théologie, de littérature, et ils discutent dans une langue faite pas essentiellement, mais quand même, en bonne partie de mots valises, c'est-à-dire dans une langue presque incompréhensible. Ou alors il faut s'attarder vraiment à la lecture pour voir tous les sens que chaque mot comme ça diffuse. Donc c'est un roman assez compliqué avec beaucoup de notes en bas de page, qui est assez long. Donc quand j'ai présenté ce roman dans les années, c'était 90 peut-être, j'étais déjà. L'avant-garde avait fini d'être une avant-garde, et les éditeurs ne voulaient plus trop entendre parler de ce genre de littérature. Donc j'ai dû attendre une génération pour que le livre soit édité. C'est Guillaume Basquin des éditions Timbad qui l'a accepté tout de suite et qui est devenu mon éditeur. J'en suis à mon troisième livre avec lui. J'ai écrit un roman qui s'intitule Fleur Belle, qui est paru au mois d'octobre, que j'ai écrit pendant le Covid et qui est une espèce d'autoportrait et qui parle beaucoup de l'endroit où nous sommes, car nous sommes dans un lieu qui a été la propriété du père du marquis de Sade au XVIIIe siècle. C'était la campagne ici au XVIIIe siècle, hein. Il avait donc une vaste propriété qu'il a revendue parce qu'il avait des dettes de jeu comme beaucoup de nobles à cette époque-là. Et j'ai écrit un livre, Fleur Belle, c'est le titre du dernier roman du marquis de Sade, qui n'a jamais paru, pour cause, son fils, à la mort de son père, a fait brûler le manuscrit. Il ne nous reste que des notes. Et donc j'ai repris le titre, et je n'ai pas écrit le roman que Sade avait écrit, mais j'ai fait une espèce de jeu de miroir avec Sade pour faire mon autoportrait. Qui regarde qui? Est-ce que c'est Sade qui regarde Coda? Est-ce que c'est Coda qui regarde Sade? À la fois tout ça, voilà. Et c'est un roman que j'ai illustré par ailleurs. Il y a des encres qui sont dans le roman, voilà. Ça c'est le troisième roman que j'ai fait avec Guillaume Basquin, pour Guillaume Basquin chez Timbad. Voilà en gros. Alors, la peinture, comment c'est arrivé? C'est arrivé parce que effectivement, le premier roman dont je parlais, comme il est dit, qui ne trouvait pas d'éditeur, je me suis dit, bon, j'ai un talent de dessinateur,
Peut-être vais-je. Parce que je voulais vraiment faire quelque chose, être seul. Non, je suis bien quand je suis seul dans mon atelier, dans ma grotte, hein. Quand j'écris ou quand je peins, quand je dessine. D'ailleurs, je déteste que quelqu'un soit là quand je dessine, par exemple. J'arrête immédiatement. Et je me suis dit, bon, t'as un peu de. Tu vas. Tu... Et donc, je me suis lancé dans la peinture parce que l'écriture, ça ne marchait pas encore. Et ça n'a pas été facile non plus, parce que la peinture avait été décrétée lettre morte, en France du moins. Hein. On était dans ce qu'on appelle l'art contemporain, c'était dans la performance, des choses qui sont complètement éloignées de la peinture. Et donc là aussi, en plus, je n'ai pas fait d'école des beaux-arts, je suis un autodidacte. Donc j'ai commencé avec mes dessins dans un carton à dessin dans les galeries. La plupart des galeries sont tenues par des étudiants qui sont pas habilités à te répondre, à te dire si ça te... Donc une fois, je suis tombé sur un galeriste, il m'a dit, vous avez vraiment du courage de faire ça, mais je n'avais aucune chance, je vous le dis, c'est pas la peine d'insister, vous perdez votre temps. Bon, j'ai dit, bon, d'accord. Et puis le hasard, je ne sais plus comment ça s'est passé, j'ai fait une première exposition, rue Saint-Jacques, rue des Fossés Saint-Jacques exactement. Et puis petit à petit, ça a fonctionné. Et puis voilà, ça fait donc près de 20 ans que je fais de la peinture. Et bon, là, j'en ai un peu assez, comme je te disais. J'ai fait une grande expo à Bruxelles, là, dernièrement, dans un musée. Et puis une autre grande expo dans la plus grande galerie érotique de Paris. Et là, en ce moment, il y a une espèce de frilosité en regard de la peinture, les gens n'achètent plus, ou très peu. Donc bon, en plus, moi je suis pas j'ai pas une santé parfaite, donc c'est fatigant ces expositions, et donc je me suis dit, bon, je vais me contenter à faire de l'illustration, de poésie, ou de romans, ou de choses comme ça. C'est beaucoup plus simple et puis ça me satisfait pour l'instant. Et puis j'ai un stock, si les galeries sont intéressées, j'ai un stock de peinture, du portrait au bestiaire, comme je le disais, j'en parlais tout à l'heure, etc., etc. Et j'ai fait aussi pas mal de peinture érotique, puisque j'ai commencé par faire de la peinture érotique. Mais là aussi, le nombre de collectionneurs en art érotique est limité, donc... Une fois qu'ils vous ont acheté une œuvre, deux œuvres, trois œuvres, c'est terminé, quoi. Il faut, bon, c'est tout, donc il faut élargir sa gamme. Voilà. Comment tu écris, composes, crées tes textes, tes poésies, tes romans, et les mêmes choses, comme on dit, pour la peinture ou pour l'illustration, pour le dessin, c'est l'idée qui précède ou tu commences Comment? Je sais pas. La vraie réponse, ça vient comme ça. C'est vital chez moi. J'ai pas de. Si quand je n'écris pas, quand je ne peins pas, quand je ne dessine pas, je ne suis rien, quoi. Je n'existe que par. Mais comment ça vient? Pourquoi? Je sais donc. Du moins pourquoi? Parce que plutôt. Je sais parce que. Mais comment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ça, c'est une nécessité. Hein. Ça, c'est ça le mécanisme. La mécanique plutôt même. C'est quelque chose, c'est une action nécessaire qui est là en moi et qui doit sortir ou par la peinture ou par l'écrit. La poésie, c'est un peu ça. D'ailleurs, la poésie est assez proche de. C'est un art. Hein. La poésie est plus proche de la peinture que du roman, par exemple. C'est la vie des mots, la poésie, un peu. Une vie nocturne et libre. Un peu comme l'art, un peu comme ça. C'est pour ça que les chats sont proches des écrivains, et surtout des poètes, parce que la poésie, c'est une espèce de chat, comme ça, qui vit la nuit, et qui est en pleine liberté, qui va à la chasse aux sensations, aux mots. Donc, bon, ça pourrait être une définition de la poésie, mais comment ça me vient, je ne sais pas. Pourquoi écrivez-vous? Beckett avait répondu, parce que je ne suis bon qu'à ça, mais bon, c'est pas la même question. Tu m'as pas demandé pourquoi j'écrivais, mais comment j'écrivais. Et comment, je vais te dire, avant avec un stylo sur une feuille de papier, aujourd'hui sur mon ordinateur. Non, je ne sais pas comment ça vient. Par exemple, tu prends une de tes poèmes. Oui. Comment ça a commencé, ce poème-là? Du coup, comme ça, ou c'est comme pas... Ça, ou... Ouais, comme ça, ça vient comme ça, ouais. J'ai pas de...
J'aime bien avoir une petite contrainte au début, c'est-à-dire qu'on me demande un poème, tu vois ce que je veux dire. On me dit, tiens, ça serait pas mal que tu m'envoies quelques textes pour la Marvue. Et c'est pas une contrainte de fond, mais... Donc je m'y mets. Motivation, voilà. Ça, je me dis, ah bah oui, tiens, je vais écrire. Mais comment ça vient, je sais. Souvent, je prends un livre et je lis quelques phrases, je referme. Et puis ça c'est la clé de la clé de contact qui met le moteur en marche. Souvent, parfois, ouais, c'est souvent dans l'écriture d'un autre, ouais, que ça prend corps. Du moins, ça prend son essor. Et après ça part tout seul. Côté plastique et côté écriture, ils sont deux choses différentes, parallèles, ou bien ils se chevauchent parfois quand ça veut dire, il y a certaines personnes, par exemple, il y a une grande muraille entre les deux. S'ils peignent, ils peignent. S'ils peignent pas, ils écrivent, par exemple. Mais certaines personnes, vraiment, c'est tout est ensemble. Oui, c'est plutôt ça, ouais. Moi, c'est plutôt ça se chevauche. C'est pour ça que j'utilise le verbe peindre, écrire, hein, tout attaché. Ça se chevauche, ouais. Et d'ailleurs, beaucoup de mes livres maintenant sont à la fois écrits et dessinés. Je mêle les deux en toute pas en toute innocence, en toute conscience, en toute, c'est une volonté, ouais, de les conjuguer. Ouais. Écrire un roman et un poème. Oui, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. C'est comme je te disais, le poème, tu peux presque tout faire, tout dire, putain, tout écrire. La liberté est infinie. Le roman, par exemple, comme il est dit, c'est un peu ce que j'ai fait. Ça relève d'ailleurs plus du poème que du roman. En plus, il y a différents genres dans le roman. Toi-même. Mais il y a une loi, donc. En poésie, il y avait la versification, elle a explosé, mais alors tu peux également t'en servir et écrire des alexandrins ou des quinsyllabes. Il y a une loi aussi dans ce cas-là. Mais aujourd'hui, bon, elle est libre, la poésie. Hein, elle est ce qu'on appelle le vers blanc depuis Mallarmé et d'autres. Avec le roman, il y a un cadre. Il y a un cadre. Et tu es obligé dans le roman, obligé, non, remarque. Tu dois respecter beaucoup plus, j'allais dire, ton lecteur. Je ne veux pas dire qu'en poésie, on méprise son lecteur. Mais ça doit avoir un sens premier, beaucoup plus apparent que dans la poésie, qui peut être caché, le sens, et plus obscur, et plus touffu. Et ce qui fait d'ailleurs la beauté de la poésie, c'est son mystère. Pour certains poètes, hein, ou sa folie, ou un imaginaire débordant, ou des images fantastiques, ou alors même une haine de la poésie, comme chez Bataille, ou même on peut parler de haine de la poésie chez Rimbaud. Dans une saison en enfer, c'est assez étrange, d'ailleurs. C'est comme si la poésie passait de l'écriture au réel, c'est-à-dire à plus rien du tout, quelque chose qui va devenir sa vie, d'ailleurs. Hein. Il va quitter l'écriture pour se barrer en Abyssinie. Bon. Et quand, non, je reviens au roman. Et le roman, donc, oui, c'est ça. Il faut toujours être là, il faut toujours être présent. Il faut pas trop se laisser aller, quoi, avec le roman. Il faut toujours maîtriser la bête. Et dans la poésie, la bête galope. Hein. La bête galope, du moins chez moi. Alors maintenant, il y a différentes écritures. Mais chez moi, ça galope beaucoup en poésie. Et en roman, je dois maintenir les rênes et faire attention à ce que, bon. On reprend, on écrit. Et avant, j'avais comme il est dit, maintenant, je me servais de la nuit. C'est pour ça que je dis que c'est plus un poème qu'un roman. C'est-à-dire que je m'enivrais le soir et j'imaginais que, et ça marchait un peu, que l'ivresse dans le sommeil écrivait pour moi. Et le matin, j'écrivais très tôt le matin, vers 5 heures, je me jetais sur la feuille de papier
avec donc cette vie nocturne que je laissais aller. C'est pour ça que le livre est assez compliqué à lire, parce qu'il est, il est obscur. Alors que maintenant, non, je bois de l'eau minérale et j'écris à l'eau minérale et j'écris des choses qui sont beaucoup plus claires. Mais il y a une côté recherche aussi, je connais, parce que oui. Le roman, c'est une construction quand même, comme un bâtiment, quoi. C'est ça. Sûr, on peut faire aussi comme Gaudi, c'est Gaudi, c'est oui. Un poète architecte, mais. Oui, on peut faire du roman baroque, oui, ou comme Gaudi. Oui. Et j'ai plutôt tendance, moi, à baroquer. Hein, c'est plutôt ma ligne de conduite. C'est plutôt le baroque espagnol, même mexicain, presque. Mes derniers romans sont construits un peu comme ceci. Oui, ce sont des escaliers, mais de guingois. C'est ce que je peux en dire. Je procède ensuite par paragraphe, donc j'avance par séquence. Et là, ça vient peut-être du cinéma, du montage. D'ailleurs, mes premières peintures étaient faites, je ne sais pas si tu as vu au début, quand on monte les marches, il y a plein de jeunes femmes représentées qui sont sur des formats assez petits et qui sont assemblées comme des images de cinéma et qui sont quasiment montées, quoi, image par image. Et peut-être que dans le roman, j'ai gardé cette technique. J'ai écrit un essai d'ailleurs sur le rapport cinéma et peinture qui s'appelle Caméra Gréco, où je fais le rapprochement entre certains cinéastes et certains peintres. Et les rapprochements qui sont tirés par les cheveux, qui sont pas évidents. Par exemple, je dis qu'Hitchcock et le Gréco sont deux artistes qui sont très proches. Bon, en prenant des tableaux clés chez Le Gréco, l'enterrement du comte d'Orgaz, et puis qui est un tableau qui est en divisé en deux parties, où il y a une partie dans les cieux qui pourrait rappeler les oiseaux d'Hitchcock. Bon, tout ça est assez, pas farfelu, mais c'est là encore, c'est une idée très, très baroque, un peu à la Balthazar Graciane, qui dit de rapprocher deux de choses les plus éloignées et la chose la plus intéressante à faire, quoi, hein, en gros, dit-il. Et c'est ce que j'ai fait avec ce bouquin. J'ai rapproché Cézanne de, je sais plus quel c'est, j'ai oublié, de Buñuel. Non, Buñuel, c'est... Bon, en tous les cas, j'ai mêlé des peintres, Buñuel, non, c'est Courbet, je crois, des peintres auxquels on ne songe pas en regardant les films de Buñuel ou les films d'Hitchcock. On ne va pas songer au Gréco, forcément, à part qu'il aimait beaucoup Tolède. Et bon, comme tu le sais, le Gréco était le peintre de Tolède qui a fait ses classes à Venise et qui venait de Chypre, je crois, hein, de Crète. Qui était un peintre d'icônes au départ, qui a été élève de Titien et qui ensuite est venu à Tolède où il a pris son essor et il a côtoyé tout ce siècle d'or, hein, Gongora, tous ces grands, des grands artistes, des grands poètes de l'Espagne de cette époque-là. Ce fameux siècle d'or qui est fantastique. Voilà. Côté plasticien, tu es plutôt, je crois que figuratif, oui. Non figuratif, je suppose. Donc tu travailles avec les modèles ou bien tu travailles parfois avec les photos, avec les... Photos. Oui. J'ai même créé une espèce de mouvement qui s'intitule la surfiguration, un mouvement surfiguratif, qui prend appui sur qui théorise donc ce monde photographié, où je dis que plus un seul coin de l'espace sur cette terre n'a pas été photographié. La photographie a pris le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, quand l'invention de la photographie apparaît, la peinture devient abstraite. C'est-à-dire que la concurrence est tellement forte, la photographie donne tout de suite la figuration, quoi, la figure, que le peintre a beaucoup de mal à réaliser pour certains. Et donc la peinture va prendre un virage et va s'engouffrer dans l'abstraction, petit à petit, hein. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Et c'est assez marrant parce que David Hockney a fait un grand travail. Il a été repéré
sur la peinture de, par exemple, du Caravage ou de Vermeer, il s'est aperçu que ces gens-là se servaient de lentilles. C'est-à-dire qu'ils faisaient poser des modèles vivants devant une grande toile et qui projetaient leur image. Et donc, il se servait déjà de la photographie, si j'ose dire, avant la photographie. Il s'est aperçu de ça parce que la lentille donnait une image des gens qui posaient la tête en bas et ils étaient inversés, évidemment. Et donc, il y a beaucoup de tableaux où il y a beaucoup de gauchers. Et donc, c'est ce qui lui a mis la puce à l'oreille. Effectivement, ensuite, il a fait réaliser des lentilles, les mêmes qui étaient réalisées à l'époque. Il a travaillé comme on travaillait dans les ateliers du Caravage, par exemple. Et ça donne exactement ça. Donc, bon. Les théories ont été controversées parce qu'on veut que l'artiste soit une espèce de... que ça vienne ex nihilo, comme ça, l'inspiration. Ça, c'est l'image romantique de l'artiste. Hein, ça tombe comme ça des cieux, il est transporté. C'est le grand moi romantique. Mais en fin de compte, non, c'est cette affaire de technique. Et quand en peinture, on peut aller plus vite avec des moyens, comme les lentilles chez on fonce, on gagne du temps et souvent même de l'esthétisme. Alors moi je travaille à partir de photos, justement je reprends le cours de mon récit là, sur la surfiguration, et donc l'objectif de ma peinture était de redonner à la peinture tout son pouvoir et de s'inspirer de photos pour les rebalancer dans le monde de la peinture. Donc au début j'ai même peint sur des photos et ensuite je me suis servi comme modèle. Mais donc je prends toujours, j'ai des modèles qui veulent poser. Je leur dis non, envoyez-moi des photos. Je reste fidèle à mes premières amours esthétiques. Voilà. Et comment tu distingues une peinture d'un dessin? C'est quoi la distinction entre les deux pour toi? Ah. On pourrait reprendre le vaste débat qui a eu lieu entre le trait, entre Poussin et je ne sais plus qui d'ailleurs. Bon, je vais reprendre. Comment distinguer le trait, donc le dessin de la peinture? C'est un peu distinguer le trait de la couleur. Déjà, c'est une question de technique. Je passe toujours par le dessin, moi, dans la peinture. Il y a des peintres qui peignent directement, sans dessiner au préalable. Moi, je fais d'abord un dessin. En plus, j'utilise comme moyen de... une technique qui est assez étrange, et du moins étrange, qui est peu employée, qui est le pastel à l'huile. C'est une craie d'art, hein. c'est comme un style. Là aussi, c'est encore un stylo. C'est pour ça que je fais le lien entre peint d'écrire, parce qu'il y a ce même geste qui était mon geste quand j'écrivais au stylo sur une feuille de papier. Là, j'écris avec un crayon pastel sur une feuille. Je peins essentiellement sur du papier, d'ailleurs. Hein. On en parlait au préalable. J'adore le papier. Donc, je dessine avant de peindre. En fin de compte, peut-être que le dessin, c'est une peinture à venir, mais qui reste un dessin. Et puis, la peinture va jusqu'au bout du visible voulu, quoi. On passe du visible à l'invisible et de l'invisible au visible avec la peinture. Et donc, oui, quand je mets de la couleur... c'est pour terminer presque ma vision et qui reste peut-être en plan. Mais bon, je dessine beaucoup car tu as des dessins à l'encre là, tu vois, sur voilà, c'est des choses qui sont en même temps qui se satisfont elles-mêmes, puisque le noir et blanc en fin de compte n'a pas besoin d'être coloré pour exister. Ils sont comme d'ailleurs comme une bande dessinée. C'est comme une bande dessinée. Il y a un mélange avec un autre art qui est celui de la bande dessinée. Tu fais aussi une bande dessinée? Non, oui, non. J'ai essayé de.
J'aime, c'est trop baroque, si tu veux, ce que je fais. Et je. Non, j'ai envoyé quelques essais de bande dessinée à des éditeurs et ça n'a pas. Ils ont pas du tout accroché, ce qui fait que j'ai pas poursuivi. Mais je serais tenté, effectivement. C'est pas mon truc premier, quoi. C'est pas naturel chez moi. Rien n'est naturel chez moi, mais. Donc, je crois que tu as besoin aussi d'une motivation, ça veut dire c'est pouvoir Peut-être, faire. oui, peut-être Oui. aussi, oui, Parce que peut-être. c'est ce que je vois, c'est magnifique. Je crois que déjà un poème, ce que tu as fait, peut-être que tu as déjà écrit. Une autre personne qui peut écrire aussi, tu peux envoyer les mêmes images à plusieurs poètes, ils peuvent t'envoyer des poèmes. À partir de là-bas, Absolument, tu peux faire encore une autre ça chose s'est fait, aussi. ça. J'ai un éditeur qui a proposé à différents écrivains des images. On voit aussi une cinématographe, ça peut être comme on dit, Voilà, même. mais il y a toutes ces influences, toi, qui Tu n'as font partie de pas moi. oui, tu n'as pas pensé aussi faire une, comment on dit, un film à partir de dessins, une animation, ça peut être. Non, j'ai jamais, tu vois, j'ai jamais. Non, le cinéma, l'image en mouvement, je l'ai vraiment mise de côté. Ça continue Tu à. dois penser, oui. Je l'ai vraiment mise de côté, puisque j'ai jamais réfléchi à faire ça. Ouais, Il faut ouais. que tu réfléchisses, hein, ça. Oui, effectivement, tu as raison. Donc là, j'en ai fait. J'ai beaucoup de livres en ce moment qui sont faits dans cette veine, comme illustrateur. Hein. Là, bah, c'était juste pour faire joujou. Mais j'ai. Par exemple, j'ai illustré le. Mais là, j'ai mis de la couleur. J'ai illustré le Purgatoire de Dante. Hein. C'est une commande d'un éditeur, une édition Art d'Avena. Emmanuel Tugny a traduit Dante, et il a traduit le paradis en entier, et là il a demandé à trois artistes différents donc de faire l'enfer, le purgatoire et le paradis, et en traduisant, pour ma part, il a traduit intercès par chant. Et en face, donc il y a un dessin, et ça vient de paraître début de l'année là aux éditions Art d'Avena, et c'est fait dans cette veine, mais il y a de la couleur par-dessus. Mais c'est ce même style. J'ai différents styles d'ailleurs. Hein. J'ai des portraits, ben, un peu comme celui qui est derrière toi, le grand portrait du musicien de jazz sud-africain. Ça n'a rien à voir avec ces dessins-là. Et ça aussi, c'est sur papier. Hein. C'est du papier marouflé sur toile. Et c'est du pastel à l'huile qui est ensuite fixé et verni. Donc pastel à l'huile, c'est des craies qui ont été créées pour. J'achète des craies d'un chien sennelier, qui est un marchand d'art, et qui a créé des craies pour Picasso dans les années 60, des craies d'art qui sont avec des pigments très colorés, et magnifiques. C'est pas du pastel sec, hein, le pastel sec c'est différent, puis c'est autre chose. J'ai du mal, j'ai essayé le pastel sec. Déjà, tu fous de la poudre partout. Tu respires c'est assez joli d'ailleurs, c'est une lumière irisée. Et c'est une autre technique qui ne me convient pas, parce que j'ai une espèce de brutalité moi, quand je peins. C'est de la tauromachie un peu, je rentre dans la toile avec violence. Il faut que ça soit fait assez rapidement. Je reste pas des journées sur un même portrait. Pardon. En général, il est fait dans la journée ou le lendemain. Maximum, des grands portraits comme ça. Il faut que ça soit brutal, rapide, échevelé, érotique. Voilà. C'est très physique la peinture. C'est quelque chose de physique. Alors que oui, si on fait une différence avec l'écriture, l'écriture, non, on est dans la raison résonante, là. On est dans quelque chose de calme. Même si dans le texte, j'outrepasse quelquefois la morale. J'écris des choses qui sont assez échevelées et mal pensantes, avec une jubilation certaine, évidemment. Et les écrivains, les poètes, les artistes, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, qui t'ont. Alors, qui m'a inspiré? Bon, je vais revenir à mon petit favori, qui est le Marquis de Sade, que j'ai lu au lycée, qui m'a terriblement. J'ai pris comme on dit, j'ai pris une gifle. En plus, il sortait un peu de l'ombre. Il y avait par exemple les 120 jours de Sodome qui étaient toujours interdits aux mineurs, que Christian Bourgois avait fait paraître en livre de poche. Ça a été ma première approche. Et d'ailleurs, c'est un des premiers livres de ça. On pense que les 120 journées,
C'est un aboutissement dans l'œuvre de Sade. Non, c'est le début de l'œuvre. Hein, c'est bon. Et chez les Français, Proust, je vais pas sortir des Rimbaud, en poésie, Baudelaire, Proust, chez les Anglo-Saxons, Joyce, Laurence Sterne. Chez les Espagnols, Cervantes, Gongora, chez les Italiens, Dante, chez les Russes, Dostoïevski, Gogol, j'ai toujours une grande admiration pour Gogol, et puis quelques Américains comme Whiteman peut-être, ou des gens comme ça. Non, et puis Melville, bien sûr, j'oublie Herman Melville, Moby Dick, un roman qui m'a beaucoup marqué, oui. D'ailleurs, j'ai écrit moi-même un roman qui s'appelle Moby Dark, qui est un écho à Moby Dick, qui est un roman pornographique qui reprend la trame d'un roman de gare, un roman d'espionnage, ce qu'on trouvait avant dans les gares, sur les tourniquets, il y avait les gens bouquinent dans le train, ça n'existe plus tout ça, hein. Il y avait des romans populaires, quoi. Et j'ai repris la trame d'un roman populaire d'espionnage qui se déroule au Japon. Et j'en ai fait une espèce de roman porno, c'est édité chez Lan Kibutin, un éditeur belge qui fait en plus des très beaux livres, et que j'ai illustré également ce bouquin, il y a quelques illustrations dedans. Il devait y avoir une expo, mais malheureusement le livre est sorti en plein Covid, donc tout a été annulé. Voilà, vous voyez, j'ai eu plein de trucs annulés, je devais faire une expo sur le 700e anniversaire de la mort de Dante, qui est donc 2021. Covid, expo annulée, dans un premier temps reportée, mais après il y a eu 3500 d'expos annulées, reportées, hein, il n'était plus possible de les faire, donc c'est resté lettre morte. Comment tu distingues l'érotisme de pornographie? Ah, alors moi j'ai une préférence pour le mot pornographie. Ce qui choque parfois, je dis non, c'est pas érotique, c'est pornographie. Comment je les distingue? Je dirais que la pornographie va au fond des choses et l'érotisme reste sur le bord de la route, quoi. Voilà. C'est pas subjectif. Pardon? C'est pas subjectif. Ceux qui m'offensent, ceux qui t'offensent pas, par exemple. Ceux qui m'offensent? Ceux qui t'offensent m'offensent pas, par exemple, je dis. Oui, et vice-versa. Oui. Bon, il n'y a pas grand-chose en littérature comme en art qui m'offense, moi, Ce que tu dis, érotisme, dans certaines géographies, c'est considéré comme pornographie, par exemple. Oui, absolument. Ou pornographie dans une autre géographie. Bien sûr. Ou d'après le temps, c'est il y a, je ne sais pas, 200 ans, 2 siècles, 3 siècles, ce n'était pas les mêmes choses que aujourd'hui. Oui, il y a une question d'époque et d'espace et de milieux culturels et de cultures, des cultures différentes qui ne regardent pas le corps et le sexe de la même façon, selon les religions, les cultures, les pratiques, etc. etc. Je sais qu'effectivement, pour ma part, je me dis que je dis pas que j'ai écrit un roman érotique, toi, je dis que j'ai écrit un roman pornographique. Marquis de Sade, c'est un écrivain pornographique ou érotique? Pour moi, pornographique, oui, bien sûr. Mais bon, et beaucoup vont dire que c'est érotique. Mais bon, la pornographie est souvent associée à la vulgarité, hein, en France, hein, dans notre culture. Et pornographique, ce qui est vulgaire, est érotique, ce qui est presque de bon goût. La pornographie serait le mauvais goût et l'érotisme le bon goût. J'ai été qualifié par un écrivaillon qui a écrit dans Art Press d'écrivain de mauvais goût. Donc je prends pour moi et je garde le mauvais goût et la pornographie. Le film, par exemple, L'Empire de Sens. Oui. Une japonaise, je ne me rappelle pas le nom. Oshima. Oui, voilà. Qui a fait, je crois que c'est même deux volumes, je crois. Deux,
Mais c'est tu le par exemple tu sais pas tu t'es la place ce film ou non? Ah, très bien, il a été à l'époque il a été encensé par tout le monde dont Lacan. Oui. Il a fait les beaux jours des intellos du 6e arrondissement. Un très beau film, ouais. Et d'après toi, comment c'est un film pornographique ou c'est un film érotique? Ah, si je reste dans ma définition, c'est un film porno pour moi. Ouais, c'est un film porno. Et le film qui était culte, Emmanuel à l'époque, qui avait un grand scandale là, aussi. Là on reste là, ce serait un film érotique, c'est-à-dire c'est de l'eau tiède. À l'époque, c'était considéré comme pornographique déjà. Pour moi, c'est de l'eau tiède. Oui, c'est de l'eau tiède. Ouais. Donc, Pasolini, Salo, là, c'est un film pornographique qui correspond à ce que je pense de ce qu'on peut faire au cinéma. Oui. Ouais. Le problème, c'est que les films pornographiques qui sont faits, je suis pas un amateur de films porno, ce qu'on appelle le porno. J'en ai vu comme tout le monde, je sais pas, comme beaucoup. Et je suis assez, c'est souvent très médiocre. C'est souvent très médiocre. Donc là, c'est pour ça que la pornographie, elle est souvent associée à la médiocrité. Il y a ça aussi. La qualité serait érotique et la médiocrité serait pornographique. Je suis peut-être à l'aise dans la médiocrité, dans le mauvais goût. Quand tu es dans les termes érotisme, écriture, peinture, dessin, en principe, je suppose, c'est une commune. Et qu'est-ce que tu penses de la censure? Est-ce que tu as rencontré un problème de censure ou non? Non. Cachette, non. Ni autre censure non plus d'ailleurs. Donc. Non. Ça, c'est une question que je ne me pose pas, et heureusement d'ailleurs. Parce que c'est effectivement, maintenant, il y a pire que la censure, il y a l'autocensure. Les gens se brident en se disant, parce que si on pense trop au lecteur ou au spectateur, bon, surtout dans notre époque qui a des critères moraux de plus en plus contraignants, hein, nous avons changé un peu d'époque là, la vie se resserre. Donc on s'auto-censure, effectivement, il y a pas mal d'auteurs qui le font ou de peintres. Et je pourrais même parler de l'art contemporain qui est une forme d'autocensure de la peinture, hein. Parce que l'art contemporain est très puritain. Et il y a la peinture, c'est vraiment, du moins pour moi, c'est l'expression du désir, hein, surtout. C'est pour ça que je parlais de brutalité, que je fonce dans la toile. Et l'art contemporain, non, pas du tout. C'est pas à partir de Marcel Duchamp et de son bidet, ça va dériver. Ensuite, il a eu beaucoup d'épigones, hein, malheureusement. Ou heureusement, il y en a certains qui ont un peu de talent, d'autres pas du tout. La plupart, moi, c'est ce que je pense, hein, l'art contemporain, il y a beaucoup d'escrocs et de gens. Mais c'est surtout une censure, ouais, du désir, l'art contemporain, pour moi. Donc, je reprends, quand je peins ou quand j'écris, non, je n'ai pas d'autocensure, et je ne pense pas du tout où ça passe. Quand je l'envoie après un éditeur, oui, il me dit non, je ne peux pas publier ça, c'est pas possible. Bon, bah, donc je le mets de côté ou je vais voir quelqu'un d'autre. Mais bon, en principe, j'ai des éditeurs maintenant qui me connaissent et qui... me renvoie pas mes manuscrits. Donc ça se passe bien. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone, également, comme on dit, dans la peinture et... Ah, il y a des poésies. Il y en a... Alors, c'est comme... Il y a très, 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 très bons écrivains en poésie et de styles différents. Par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Philippe Pichon qui écrit de la poésie lyrique, qui est dans la ligne un peu de Saint John Perse, des choses comme ça, et que j'adore. J'ai un autre... en plus, c'est des gens que je connais, donc c'est... J'ai Gilbert Bourson, qui est dans une veine plutôt surréaliste, qui écrit également des choses magnifiques. Mais ce sont des gens qui, en fin de compte, ont peu de choses à voir sur le plan stylistique. Quoi. Ce sont des poésies et des poèmes très différents. Qui aime aujourd'hui? Mais il y a beaucoup de gens qui écrivent des poésies sans intérêt aujourd'hui. Ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de... La poésie, curieusement, qui se vend pas bien, hein. Enfin, mais il y a énormément de poètes, énormément, et des gens qui font de bonnes choses, et d'autres qui font... Mais c'est comme pour tout. Alors, ce que j'en pense, c'est...
j'aime ou j'aime pas, quoi. C'est ça, c'est de ce ressort-là. Il y a des trucs que je trouve de qualité, mais c'est subjectif, hein. Il y a d'autres personnes qui vont trouver que ça leur convient pas. Et donc, c'est quelques noms que je t'ai cités, là. Ce sont des gens que j'aime beaucoup. Les peintures, les dessins dans le monde aujourd'hui, en France, oui. Il y a aussi. En France, la peinture, elle est en train de revivre, hein, le dessin aussi. Hein, et après une période, on était mis au purgatoire, hein, je te disais, la peinture avait... Il y avait l'histoire qui était morte, hein, selon les théoriciens branchés. Et la peinture aussi était achetée à la poubelle. Mais aujourd'hui, là encore, question de génération, au Beaux-Arts, on n'enseignait plus du tout la peinture, par exemple. J'ai visité le musée Balzac il y a quelques temps, et une des guides, où j'ai un portrait de Balzac d'ailleurs, qui a été pris par le musée, dit-il, mettre une médaille. Et donc, une des guides est venue pleurer sur mon épaule, en me disant, voilà, j'ai fait les Beaux-Arts, je veux faire de la peinture. Ils m'ont mis à la cave, parce que je veux faire de la peinture, et ils se moquent de moi. J'ai abandonné. J'ai abandonné la peinture, parce qu'ils rigolent, en disant que je suis une has-been, quoi. Je suis quelqu'un qui n'est pas du monde contemporain, qui est dans le monde du passé. Bon, et ça, bon, il y a un petit moment de ça. Hein. Maintenant, je sais que ça a évolué. Les jeunes refont du dessin. Il y a beaucoup d'expos de dessin de jeunes dessinateurs. Il y a eu là deux, trois expos de dessinateurs, que des gens d'une trentaine d'années, dont les noms ne me reviendront pas. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est en train de revivre. Je parle de la France là. Donc il y a des jeunes peintres que j'aime beaucoup, et avec des gens qui dessinent très bien. Pour moi, le dessin est essentiel. C'est pour ça aussi. Hein. Je me suis fait un peu chahuter sur les réseaux sociaux. J'avais été voir l'exposition Roscoe à Fondation Vuitton. Et j'ai dit qu'en voyant les toiles figuratives de ce peintre, on comprenait pourquoi il était passé à l'abstraction, c'est parce qu'il ne savait pas dessiner. Donc pour moi, c'était assez flagrant. Alors je me suis fait traiter de tous les noms, bon, je connaissais rien, effectivement. Bon. Et en plus, les peintures abstraites, parce qu'il y a des peintures abstraites qui trouvent grâce à mes yeux, par exemple John Mitchell ou des gens comme ça, mais en même temps, ce n'est pas des peintres abstraits, mais bon, c'est peut-être pour ça. Et oui, Roscoe, ça n'est pas passé. Je n'ai vu que des peintures d'un rouge pisseux, en plus qui était dans la pénombre. C'était effrayant. Le dessin, pour moi, est primordial. C'est pour ça que je te disais que toutes mes peintures sont dessinées, quoi, au départ. Je passe pas directement. En plus, je peins pas au pinceau, donc ça change beaucoup la donne. Comme je te répète, j'utilise des pastels à l'huile, pardon, avec ce geste, quoi. C'est tenu comme un stylo. C'est vraiment de la calligraphie, un peu. C'est de la calligraphie. Je suis proche de l'écriture. Premier poème, premier recueil publié, c'était quand, également, comme on dit, première exposition de peinture. De peinture. Alors, c'était quand ça s'appelait, alors, il y a eu, je crois que ça s'appelait Comme un nom où scintille la nourriture. C'était quand ça? Je suis passé donc dans les années 2000. C'est peut-être dans les années 2000. Il faudrait que je regarde. De mémoire, je perds un peu, je commence à vieillir, hein, mes cellules grises, comme disait Hercule Poirot, commencent à s'autodétruire. Donc ça s'appelait Comme un nom. Alors c'est un bouquin que j'avais envoyé à Marcelin Plenet, que tu connais peut-être, qui dirigeait la revue L'Infini chez Gallimard, avec Solers. J'avais envoyé ça d'ailleurs de manuscrit, j'avais même pas tapé à la machine, j'avais pas de machine à écrire à l'époque, parce qu'à l'époque ça date donc d'avant l'ordinateur. Et il avait tout de suite adhéré, et il m'avait donné un nom d'éditeur qui l'avait pris, mais ça s'est pas fait, je me suis comporté comme un sauvage avec cet éditeur, et il a fallu que j'attende des années et des années, donc c'est pour ça que ça n'a paru que... Mais c'est le premier livre de poésie que j'ai écrit, Comme un nom où scintille la nourriture. Que j'ai repris d'ailleurs ensuite certains passages. Et ça a apparu chez un tout petit éditeur qui était bouquiniste sur les quais, qui n'était même pas un éditeur, je crois qu'il n'était même pas inscrit dans le registre professionnel des éditeurs. Et ça a été mon premier bouquin. Voilà. Quant à la première expo, donc ça s'est fait. Comment s'appelait la galerie? C'était rue des Fossés Saint-Jacques.
Je me souviens que la galeriste était roumaine. Et ça s'est fait parce qu'on était voisins, je crois, on s'est croisés dans la rue. Je ne sais plus comment ça s'est fait. Ça, c'est par hasard, par hasard. Et donc, je lui ai montré mes dessins. C'était des montages, là aussi, c'était des images par images, sur des grandes feuilles de papier, qui avaient un caractère érotique, mais caché. Et c'était donc la première exposition que j'ai fait rue des Fossés-Saint-Jacques, dans une galerie qui s'appelait, je ne sais plus, Arsima, je crois, un truc comme ça. Une galerie... bon, il fallait payer, mais j'ai pas payé. Il y a beaucoup de galeries où les gens payent pour exposer. On m'a demandé de l'argent, je n'ai pas voulu. Mais l'expo s'est faite quand même. Et puis après, j'ai refusé toutes les galeries. Donc j'ai refusé. Je suis jamais allé voir après une galerie où il fallait payer. C'est un peu comme le compte d'auteur, ça, hein, payer pour exposer. Mais il y a beaucoup de peintres qui payent pour exposer en se disant, bon, en vendant une toile, on rentrera dans nos frais. Bon, ça, c'est pas ma démarche. Ou je fais une expo, où les gens m'accueillent, ou ils ne veulent pas de moi, donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de la traduction, surtout de la traduction poétique? La traduction? Oui, en général. Je sais pas si je... Alors, la traduction, déjà, c'est toujours une trahison, hein, pour redire une banalité. Mais bon... Alors, par exemple, mon éditeur, Guillaume Basquin, déteste la traduction. Pour lui, c'est plus qu'une trahison, c'est une c'est une escroquerie. Bon, je serais pas aussi intransigeant et ça dépend là encore du traducteur. Bon, t'as le rapport Baudelaire Edgar Poe ou Edgar Poe Mallarmé. C'est vrai qu'il y a quelque part une trahison, c'est une réécriture. Mais figure-toi, s'il n'y a pas de traduction, il n'y aura pas de Don Quichotte, de Cervantes, pour les gens qui ne parlent pas, bien sûr, c'est ça. Par exemple, Dante, il y a une foultitude de traductions en français, j'imagine dans d'autres langues aussi. Mais en français, d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui va sortir un livre à la fin de l'année 2025, où il va faire le bilan de toutes les traductions et de toutes les illustrations de Dante. C'est monstrueux. Surtout, ça a commencé au 19e siècle. Comme tout ce qui était médiéval, c'était un peu tombé dans l'oubli. Et le romantisme, Victor Hugo et les écrivains romantiques français, et allemands aussi, mais le courant français a remis Dante au goût du jour. Dante, Shakespeare, bon, les gens, ou de la Renaissance, ou de l'époque médiévale pour Dante du 14e siècle. Et donc, effectivement, sans les traductions de Dante, et qui en plus, c'est intéressant de voir comment c'est abordé par différents... Il y a la traduction de Jacqueline Risset, par exemple, qui fait maintenant autorité. Et puis, pour le 700e anniversaire de la mort de Dante, beaucoup d'écrivains se sont lancés dans la traduction, et c'est des textes qui sont assez différents les uns des autres. Effectivement, on a accès, mais je conçois que le mieux, c'est de le lire en italien. Mais bon, on n'est pas. Moi, je ne parle pas italien, par exemple. Mais en plus, l'italien de Dante est un italien qui est toujours contemporain, si j'ose dire. Ce n'est pas le cas en français où la langue de Rabelais, par exemple, elle est difficile à lire pour beaucoup de personnes. Dante, il est presque lisible par tout le monde aujourd'hui en italien. Et donc, mais bon, la traduction, oui, c'est un autre livre, mais en même temps, on a accès effectivement au sens, c'est vrai, le Quichotte, les pièces de Shakespeare, si on ne parle pas anglais, Dante, Goethe, ou la poésie turque pour ou arabe, ou bien sûr, ou chinoise, ou japonaise, il y a tout, bien sûr. Alors, là, c'est des langues en plus qui sont tellement éloignées de nous, hein, comme tout ce qui s'est fait au Japon. Il y a beaucoup d'écrivains remarquables au Japon. Et effectivement, là, sans la traduction, la traduction est vitale, évidemment. Oui. Et tu participes au marché de la poésie depuis longtemps, je crois, n'est-ce pas? Marché de la poésie, est-ce que tu... J'y allais en tant qu'auteur. Comme tu veux, c'est un peu plus. Là, j'y suis parce que j'ai ma collection. Là, nous sommes associés avec 7 autres éditeurs qui sont des éditeurs de nouvelles. C'est dans ma collection, donc j'édite des romans, des nouvelles et du théâtre. Et là, c'est la première fois que nous participons en tant qu'éditeurs au marché de la poésie.
Mais sinon, oui, j'allais toujours faire un tour, ou j'étais invité à faire une signature, ou j'allais voir les amis. Ou... Tes impressions, par exemple, sur le marché de la poésie, est-ce que... Oui, c'est comme tout. Il y a, bon, en plus, je connais beaucoup de gens, donc c'est toujours agréable. On rencontre des gens qu'on ne voit pas. Par exemple, Jean des éditions Henri, que j'avais vu parce qu'il avait. J'étais allé à la Maison de la Poésie pour accompagner un ami, qui, ben, Philippe Pichon, dont je parlais, qui a eu un prix et il y a eu une soirée organisée là-bas à la Maison de la Poésie, rue Balu, dans le 9e. Donc je l'avais vu à ce moment-là. Et, bon, j'avais déjà, tu dis, envoyé des textes. Il y a un tas de gens que j'ai plaisir à revoir et que je vois qu'à ce moment-là, quasiment, alors que nous sommes beaucoup qui sont parisiens, il y a beaucoup de gens d'un peu partout. Hein. Il y a la province, il y a beaucoup. Le marché de la poésie, c'est un truc assez costaud. Hein. Il y a beaucoup d'éditeurs. Hein, beaucoup d'éditeurs. Donc c'est, pour moi, c'est assez agréable, oui, c'est assez agréable. C'est une question d'amitié, de rencontre. On échange, on s'amuse, on rigole, on se tape dans le dos. Quoi. C'est la partie anecdotique du marché de la poésie. Et sinon, il se passe des choses intéressantes. Ouais, ouais, il y a des découvertes, tu découvres des écrivains, tu découvres des textes, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu peux parler un petit peu de, comment on dit, ton casquette éditeur. Et comment tu choisis tes textes, qu'est-ce que tu publies, dans quelle fréquentation, combien tu imprimes, etc. Ou difficulté d'être un éditeur, par exemple. Alors, j'ai l'habitude de répondre, je n'ai pas de ligne d'édition, que je suis comme Flaubert, c'est-à-dire la bleue turquin, c'est moi, comme Madame Bovary pour Monsieur Flaubert. Et donc, c'est mon goût qui décide. Je reçois des manuscrits, de plus en plus d'ailleurs, ce qui devient un peu fatigant, parce qu'il faut quand même les lire. Alors, c'est la poésie ou... Non, que je reçois que du... Je précise que j'ai précisé sur le site de l'éditeur que c'était que roman, théâtre et... Théâtre, c'est nouveau en plus. Hein. C'était que roman et nouvelle. Poésie, non, parce que les éditions d'Ouro ont une collection de poésie. Deux collections de poésie. Une tenue par Muriel Campère de Marcy, connais peut-être, qui était écrivain, très bon écrivain, et Philippe Bourret également, qui est un très bon écrivain. Il y a déjà deux collections de poésie, il y a beaucoup de collections chez Douro. Il y a une collection, il y a une ligne générale, de littérature générale, qui est là, dirigée par le patron Antonio Cardoso. Alors, il y a deux collections de poésie, celle de Muriel, celle de Philippe Bourret. Il y a une collection d'essais par Jeanne-Olivia Cohen, que j'ai vu hier soir, d'ailleurs, par hasard dans la rue, dont j'ai fait paraître un essai récemment chez elle, qui s'appelle Résonance. Il y a une collection fantastique de science-fiction, et la mienne, donc, qui édite des romans et nouvelles un peu plus, moins grand public que la ligne générale. C'est des gens qui viennent d'un peu partout. Comme je t'expliquais, des gens qui n'ont pas trouvé, qui étaient chez Gallimard, au Mercure de France, chez POL, chez un tas d'éditeurs. Et le théâtre, par exemple, ne trouve plus beaucoup d'éditeurs. C'est difficile à éditer aujourd'hui, le théâtre. Et donc, ils viennent frapper à ma porte. Alors, c'est mon goût. Hein. Si ça me plaît, je dis oui. Et sinon, je dis non, voilà, tout simplement. Et ensuite, alors le tirage, c'est comme beaucoup de nouvelles maisons d'édition. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le BOD, c'est tirage à la demande. Il n'y a pas de tirage d'exemple. Ce qui chagrine certains auteurs. Mais c'est sans doute la meilleure solution pour ne pas finir au pilon ou en faillite. Hein. J'ai discuté, moi, au salon du livre, au salon de l'autre livre, là, qui s'est déroulé dernièrement dans le quartier, d'ailleurs. Avec beaucoup d'éditeurs qui sont avec le coût du prix, avec le prix du papier, avec les méventes. Bon, pendant le Covid, il y a eu un peu plus de ventes, mais après, il y a une chute terrible et qui tapent dans la caisse personnelle pour remonter les maisons d'édition qui sont beaucoup en perdition, quoi. Et est-ce que l'art, la poésie, l'art est un besoin, une nécessité, première nécessité pour les gens, pour les autres, pas pour toi? Est-ce qu'on peut vivre sans art, sans poésie, sans... Évidemment non, mais tout est possible dans l'histoire de l'humanité. Tout est possible. Non, je pense que c'est... je lisais tout à l'heure, une amie m'a offert le livre qu'elle a écrit sur une peintre
contemporaine, là, qui s'appelle Anne von der Linden, et c'est Frederica Abbott qui a écrit cette merveilleuse monographie. Et en exergue, il y a une phrase de Nietzsche que je lisais avant que tu arrives. Il dit, et je te la lis, hein. Déjà dans la préface à Richard Wagner, c'est l'art et non la morale qui est présenté comme l'activité essentiellement métaphysique de l'homme. Au cours de ce livre se reproduit à différentes reprises cette singulière proposition que l'existence du monde ne peut se justifier que comme phénomène esthétique. Donc la poésie, l'art, tout ça est inhérent à l'espèce humaine et indispensable et plus que nécessaire. Merci beaucoup, Jacques. C'est moi. Bon, alors c'est un livre qui date de 2016. Alors illustré, hein, c'est un livre illustré qui s'appelle Elle et nous. C'est chez Flamme Vive. La peau. La peau s'écrit sans désinvolture. Mise en œuvre vers la vérité, elle est la vérité. L'itinéraire où l'on se sent étranger en pays connu et décollé du secret qui l'habitait. La peau ainsi refroidie soit-elle, impudique, elle participe à l'érotique et figure en même temps le sacré de la présence. Elle est le vêtement de l'âme, cette sublime d'attente. La peau, brûlure des yeux, mais quoi? Qui l'oublie? Le peintre? Non, c'est sa vérité. Habillé de frais, hymen nu pour elle comme pour lui, tout comme. La peau est passée en atelier, tendue, blanche toile, incarnée, mais encore. Surtout par un bout, son corps exhibé, escalier vers le ciel. La peau des jours crus, des heures démunies de toute vérification quand arrive le rituel, par l'ombre qui s'emploie, écrasée par un trait de soleil. La peau un peu de blanc, de terre verte sur un plan, et de ton rosé fondu. Elle fait son chemin en peinture avant d'ouvrir la vue. La peau ne garde que ce qui vient à mourir sous l'œil. Sa brillance, sa douceur sont au premier âge de la vie magnifique, bel idéal follement plus loin. La peau a quelques encablures qui font le prix du lointain vu de la main qui caresse ce petit pan de mur sang. La peau blonde comme l'air du bonheur, une apparition, une sorte de peu à peu que tout dévoile avec le soleil couchant. La peau lumière du midi dont il faut s'approcher au plus profond. La peau toujours devant. Alors ça c'est donc 2016, le dernier livre... s'intitule Mégalo, paru donc de poésie, s'intitule Mégaligraphie, pas Mégalo, hein, Mégaligraphie, paru chez Douro, dans la collection de Muriel, compère de Marcy, Présence d'écriture. Alors, ces deux livres là, que je te présente là, sont illustrés hein, par des encres. Et celui-ci était illustré par des aquarelles. Tes illustrations. Qui sont illustrés par moi-même, oui. Alors, Mégaligraphie, qu'est-ce que je vais te lire? Hommage à Gertrude Stein, par exemple, que j'ai oublié de citer dans les écrivains que j'aimais bien. Miss Stein, mystère. Ça tombe bien, nous aussi. Il est usuel d'ajouter nous aussi, ça tombe bien. Miss Stein, nous aussi. Car son nom est un nom. Stein is a calcul, a name of everything. Exactement comme 2 et 2 font 4 dans un autre jour. Miss Stein, mademoiselle, Stein et moi, elle est Stein Gertrude. Gertrude, une femme est une femme, une. Et voilà pourquoi elle est une. Aussi comme peut-être qui on veut être une femme. Mais Stein se dit avec 10 son sujet. Et cela sans force car elle habite rue de Fleurus, comme on suppose. Un sujet avant de dire un verbe, puis un complément d'objet, quoi. Alors. Ah oui, c'est un texte dédié à James Ensor, le peintre belge. J'ai adapté, mais là c'est en prose, mais bon. J'ai adapté à l'écrit l'automatisme d'Output. Son initiateur, finement autrichien, Arne Ferreiner,
traversais la ville en voiture afin d'obtenir une J'ai adapté à l'écrit l'automatisme d'Output. Son initiateur, finement autrichien, Arnulf Renner, traversait la ville en voiture afin d'obtenir une intensification psychologique nécessaire et ainsi contrer le relâchement musculaire provoqué par les drogues qui le sustentait en haute diablerie. Hardi par mois, alcool et tabac et drogue de femmes, des femmes couvertes de mouches sales mais élégantes, et des femmes vermillonnées à l'ardent sort. Celle avec qui l'automatisme d'Output atteignit son acmé présentait l'avantage d'être une béance radicale. Un trou au carré rempli de mots plaintifs mais délicieusement pourris, comme dans les pains de Soutine, pain P-E-I-N-T-S. Elle n'avait plus de jambes, parce que la chirurgie les avait décrochées. Kudjat, avec une peau marquant une teinte de renoncule nippée, une sorte de fond de satin qui lui donnait l'air minet seigneur, mes femmes criant jusqu'au bout des seins, bataillant, totémique, énorme. Hissé à bout de bras jusqu'à mon deuxième étage, et saisi d'étonnement quand elle me sut orphiste et chatouilleur de tempérament, puisque je la fouillais des doigts, elle poussa sitôt un miaulement retentissant. Dressée en beauté étoilée d'allégresse jusqu'à la place de la contrescarpe, où sa duègne infirmière accompagnatrice l'attendait assise dans un café, comme crucifiée par la jalousie propre aux vierges et aux vapeurs qu'elle dégage. La duègne nous imaginait, vision d'abandon, nous à nous-mêmes noyés dans notre rage amoureuse vraie et pittoresque. Ce fut super lifoquicotentieux, à la manière même de Verhaeren, tant nous vécûmes. Ouida, avec des mots plus verts que la passion, plus soupirés parce que davantage claironnés à un point tel que nous nous sentîmes partir, envolés, volant dans des airs dansants, folles bêtes d'azur que nous étions. Pire, voire mieux qu'estasiés, si fornicateurs, adjectivés que nous chutâmes dans mille frissons de l'ivresse pour la plus profonde délectation de l'être grossissant d'être. Merci beaucoup, Jacques. C'est moi, encore une fois. Alors oui, je dirige une collection chez Douro. La collection s'appelle La Bleue Turquin, ça vient d'un vers d'Arthur Rimbaud. Et chez Douro Éditions, il y a plusieurs collections. Il y a deux collections de poésie. Une dirigée par Muriel Compère de Marcy, une autre par Philippe Bourret. Il y a deux collections d'essais. Une collection dirigée par Jeanne Olivia Cohen et une autre qui s'appelle La Diagonale de l'écrivain. Celle d'Olivia Jeanne Cohen s'appelle La Résonance et celle d'Alain Marc s'appelle La Diagonale de l'écrivain. Et il y a une collection fantastique science-fiction qui est dirigée par François Prunier. Alors là, je vais lire un extrait de « Ici, le temps va à pied », un livre qui a eu un prix, qui a eu le prix spécial du jury Joseph Delteil en 2016. Paris. Prise de possession de la chambre. Je regarde par la fenêtre qui donne sur des petits immeubles du 20e arrondissement. Il est 20h. J'ai pris un tranquillisant pour museler mon inquiétude. Faisant fi de la mauvaise qualité de la nourriture, je dîne d'une sorte de friand accompagné de haricots verts surgelés qui ont la consistance du coton hydrophile. C'est pour demain à 9h, me dit-on. Pourquoi si tôt ? Je reste confiant. En même temps que j'écris le mot « confiant », une petite voix de ma fenêtre, j'aperçois les martinets noirs qui ne s'opposent jamais. Poussent, venus d'Afrique. Ils sont là depuis le 24 avril. Dans l'après-midi, j'ai entendu le cri du faucon cresserelle et je l'ai aussitôt aperçu planant dans le bleu du ciel. J'ai tellement envie d'une cigarette. J'éprouve une certaine volupté à n'écrire que des faits secs et crus pour reprendre l'expression de Saint-Simon. Volupté à se laisser aller à l'exactitude, parfois frappé au coin de cette partialité qui m'est précieuse. Volonté d'être juste en regard de celui que je suis en train de devenir. Prise de sang subie avec quelques signes de mauvaise grâce,
N'est-ce pas délicieux? Et je dis à celle que je ne connais pas encore, je sais seulement qu'elle n'est pas celle qui m'attend. Ensuite, elle me rase, tout le côté droit, du pied jusqu'au nombril. Très jolie, 25 ans environ, et sans gêne devant ma complète nudité. Je lui parle, de moi, naïvement, du sentiment qui m'anime, je dis, je pourrais encore marcher? Levé à 6 heures, on badigeonne ma jambe avec un produit, mais je ne pose pas de questions, j'attends. Descendre tout en bas, dans une pièce où il n'y a qu'un lit. Les murs sont blancs et nus, j'attends. Difficile de revenir de cette carte du tendre. Que s'est-il passé pendant ce que je n'ose nommer? Au réveil, je n'ai le souvenir que d'un mot. Aphrodite. C'est déjà le lendemain. Je regarde un film à la télévision. Un homme et une femme qui s'embrassent. Mon corps est entré dans un monde où le mot aimé est la nouvelle alliance que j'ai contractée avec lui. Dans Les Jouets Rouges, c'était édité par Contre-Ciel, qui est une maison d'édition qui n'existe plus malheureusement. C'était un jeune éditeur qui a tenté le coup, qui était en apprentissage, qui était en école d'édition. Et par ailleurs, je crois qu'il a publié 2 livres, dont le mien, et ensuite il a fermé boutique. Les fruits sont à terre, tombés dans le jardin. Pluie douce, pivoine au soleil du midi, éclaircie sur mon visage. Les yeux plissés au bout d'une cerise. C'est le sein de la voisine qui dort torse nu. Contre ses hanches, un long iris mauve qui bat au vent léger. C'est le début de l'après-midi, déjà. Tout s'est décidé très vite. Tandis que pour soutenir le ciel, plusieurs oiseaux juchaient sur le fil des branches du cerisier et des merles noirs, au sifflet de trilles, volent parmi les pivoines blanches, moineaux buvant l'eau qui sèche dans les mares minuscules laissées par la pluie. Elle s'est réveillée, les yeux noirs. À son poignet, un bijou qui brille, un bracelet de cornaline. Ses cheveux sont cachés par un turban. Jaune aussi son short au soleil. Il n'y a plus d'ombre. À l'endroit de mon cœur, je marche la bouche muette, mais décidée et luisant. Le jardin disparaît. À ses pieds nus, ambrés sous ma main, parmi les feux épars qui m'assaillent. Merci beaucoup, Jacques. C'est moi. Thank you.